Bonjour, aujourd'hui nous allons revoir les pronoms relatifs. En français, il existe deux catégories de pronoms relatifs, les simples et les composés. Les pronoms relatifs simples sont au nombre de 4, le qui est sujet, le que, complément d'objet direct, le don, complément d'objet indirect, et le ou, complément de lieu. La famille des pronoms relatifs composés comprend trois sous-groupes, les verbes qui s'utilisent avec la préposition à, penser à, par exemple. Deuxième catégorie, l'élocution prépositive avec de, à côté de, en face de, au-dessus de. Et la troisième catégorie, toutes les autres prépositions, avec, sur. Nous allons maintenant observer quelques exemples avec les pronoms relatifs simples. D'abord, l'homme qui est venu est mon père, le pronom relatif qui est sujet, puisque l'homme, l'antécédent du pronom relatif, est sujet du verbe est venu. Le livre que tu m'as donné. Tu m'as donné quoi le livre? Le livre est COD, donc nous avons choisi le pronom relatif que. Et ici, observez trois exemples avec les pronoms relatifs composés. Être assis sur la chaise, par exemple. Donc, chaise est féminin, sur laquelle. À bientôt!